Algérie. Washington critique Gaïd Salah, et rumeurs sur le transfert de Bensalah en France. Les rapports des chancelleries occidentales sur les prochaines élections présidentielles du 12 décembre 2019 se succèdent, et sont aussi mitigés les uns que les autres. Les États-Unis qui ont mis, depuis plusieurs mois, les services de leur chancellerie à Alger sur le qui-vive commencent à se faire une idée très claire de la situation politique actuelle, et même de l'avenir proche du système en place. Un dernier rapport soumis au département d'État par l'ambassade américaine à Alger est sans concession. Il fait part d'une campagne électorale atone et sans présence de militants, de candidats chahutés, boudés, conspués. Un processus totalement discrédité et une élection vouée à l'échec. Les Américains qui au début, sans prendre parti solennellement, étaient favorables à un passage en force de l'institution militaire pour imposer un candidat consensuel issu de la scène politique, sont aujourd'hui plus que sceptiques. Le choix des compétiteurs pour la magistrature suprême a été une erreur fatale, d'après l'analyse américaine. Washington aurait préféré que l'armée lance dans l'arène un jeune candidat plus crédible et plus proche du Irak, au lieu d'anciens premiers ministres ou ministres de l'ère Bouteflika, tous rattrapés par l'âge ou par un passé compromettant. Mais ce qui a fait le plus douter les Américains, ce sont les performances de l'homme fort de l'Algérie, le général Gaïd Salah. Le chef de l'état-major est jugé coupé de la réalité, suffisant et surtout enfermé dans le déni de ce qui se passe sur le terrain. Tous les indicateurs laissent prévoir un boycott sans précédent de la prochaine échéance électorale, estime un diplomate européen en poste à Alger. La rue est en ébullition et la campagne électorale n'existe que dans la presse aux ordres des militaires. La situation est explosive et cela risque de déraper dangereusement le 12 décembre, affirme la même source. En tout cas, à Alger comme à Washington et à Paris, tout le monde s'accorde à dire que le jour de vote sera, sans conteste, le juge de paix pour le général Gaïd Salah et son clan. Rumeur sur le transfert de Bensalah en France, ce qu'endisent les Algériens. Des rumeurs persistantes sur l'aggravation de l'état de santé du chef de l'État fictif, Abdelkader Bensalah, et son transfert en France enflamme les réseaux sociaux. L'ancien président du Conseil de la Nation, qui sert d'alibi politique à l'état-major de l'armée, qui a pris le pouvoir par la force après la démission contrainte de Bouteflika, est atteint d'un cancer et ses dernières apparitions publiques, notamment à Sotchi, en Russie, ont montré des signes de fatigue extrême. Qu'elle soit vraie ou fausse, cette information a donné lieu à de nombreux commentaires de citoyens sur Internet qui, dans leur écrasante majorité, ont estimé que cela relève d'une nouvelle manipulation des tenants du pouvoir actuel pour justifier l'annulation de l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, dont ils savent pertinemment qu'elle ne se tiendra pas dans des conditions normales, et pourrait même provoquer des heurts, au moment où le régime fait preuve d'une réaction fébrile. À quelques jours d'un débat que le Parlement européen s'apprête à ouvrir sur la situation en Algérie, et les graves dépassements qui s'y produisent. D'autres s'accordent à dire que le pouvoir, qui accuse les millions de citoyens qui manifestent depuis 9 mois pour le départ des résidus du système Bouteflika, et l'avènement d'un état de droit d'être manipulé par la France, et, dans le même temps, si prompt à envoyer son premier représentant à Paris pour s'y faire soigner, comme l'a fait Abdelaziz Bouteflika avant lui. Ces citoyens évoquent en doute, dans le même sillage, les attaques d'Abdelmajid Tebboune, le candidat favori du système, du moins, jusqu'à sa très récente mise en disgrâce, contre la France, qui ne sont, selon eux, qu'un coup de bluff pour berner, encore une fois, une opinion publique néanmoins avisée et incrédule. Les Algériens sont unanimes à considérer Abdelkader Bensalah comme un des nœuds gordiens, qu'il faut trancher en même temps que le chef d'état-major, qui se sert de lui comme bouclier politique à l'intérieur et diplomatique à l'extérieur. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.